Rédaction Antoine. Sur la hâte. Je vois cette neutre femme de la ville ou de la campagne, dont la silhouette est embarrassante. Une femme comme celle-ci, dans un parc, ne devrait pas faire son apparition. La voilà qui vient s'asseoir à mes côtés. Même sans lui avoir déjà parlé, je sens déjà toute son hypocrisie. Elle est allée des salles. Elle commence à manger des fruits. Ensuite des bonbons, du pain, un hamburger, une glace. Les gens autour d'elle ne font pas son poids. Ses bras sont les cuisses, ses cuisses sont les cuisses. Les gens font mes cuisses. Ses cuisses sont mes jambes. Bon, bon. On croirait qu'elle attend le prince charmant. Cherche-t-elle à me nouer contact avec moi? Elle n'est pas à mon goût. En s'asseyant à mes côtés, c'est sur moi qu'elle a décidé de jeter l'emprobe. Non, l'emprobe. Les passants nous regardent et les enfants se demandent si elle est enceinte. Mais rien ne la vexe. Rien ne la touche. Je ne comprends pas je ne compte pas lui faire de la peine, car elle ne le mérite peut-être pas, mais je me sens mal à l'aise. Ses gâteries alimentaires n'ont rien changé à sa mauvaise foi. Une personne en béquille semble fatiguée, donc je lui cède ma place. Elle m'en aurait passé autant. Je décide alors de marcher. Je m'en vais loin, car je suis incapable de m'afficher à côté d'une personne comme elle, si désobligeante et égoïste. Après quelques secondes, je me suis retournée pour voir si la personne handicapée avait survécu. Je ne vois plus personne sur le banc. Et au loin, j'aperçois deux personnes côte à côte. C'était eux. A-t-elle vraiment un charme? Je ne pense pas. L'appréciation du prof. Je ne pensais pas qu'être gros pouvait être aussi condamnable. Votre intolérance est totalement déplacée et indécente. Relisez le sujet et le texte de La Bourrière. À aucun moment il ne fustige un défaut physique. Vous êtes totalement hors sujet. De plus, vous ne faites pas un pastiche. Bravo Antoine. T'es fière de toi?